J'adore flâner dans les marchés parisiens. Et ici, je trouve mon bonheur. J'ai envie de travailler un produit de saison. Et pour le moment, c'est la prune. Comment la choisir? Mais tout simplement à la touche. Regardez, il faut qu'elle soit bien souple. Et puis, au goût. Très sucré. Profitez-en parce que c'est la saison. Et en plus, ensemble, nous allons préparer une tarte, mais pas comme les autres, une tarte à l'italienne avec du marsala. Andiamo! On va préparer ensemble donc la pâte pour faire notre tarte. On va ajouter de la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande, du beurre, alors il faut qu'il soit à température, un jaune d'œuf. Et je commence à mixer le tout. Je prends la pâte. Et là, on y va. Ça, c'est mon moule à tarte que j'ai déjà beurré. On la pose délicatement dans le plat à tarte. Là, on va la piquer. Et on va la cuire à blanc à 180 degrés pendant 15-20 minutes. On va mettre les prunes. C'est de la reine Claude. J'ai envie en fait de faire comme une confiture. Et on rajoute du marsala. Ça. Mais moi j'ai envie voilà, de la faire comme ça pour changer un peu les textures. On va faire chauffer de la crème. On va mettre des graines de gousses de vanille. Là je laisse juste chauffer à feu doux. Pendant que je prépare mon appareil, et là, je vais battre 3 œufs, et là, on rajoute le sucre. Là, il faut que ça soit mousseux et il faut que ça blanchisse un peu. Et là, c'est bien mousseux, on rajoute tout doucement la crème avec la vanille. Ah, ma pâte, elle devrait être prête. Et oui, qu'elle est prête. On va mettre les prunes en fond de tarte. On rajoute notre crème qui va être par-dessus. Et là, c'est parti dans un four à 160 degrés pendant 15-20 minutes. Bye bye! Et voilà, notre tarte aux prunes, elle est prête. C'est une merveille, non? Ciao!